Nous souhaitons la bienvenue à la mansion de l'Inquisition de los Sucres, construite à la fin du XVe siècle par une petite congrégation de frères dominicains. On pensait qu'il a également été employé par l'Inquisition, servant ensuite de l'ornement à la famille de Rouillère des banquiers allemands pendant la période de l'organisation de la mine de 1521 à 1646. C'est aussi résurbant la mine almadienne et les matrices de l'ordre de Calatrava, en garantie des avances monétaires que Charles V reçoit pour financer son élection impériale lorsque la couronne du jeune empire romain était vacante après la mort de Maximilien I, annonce qu'il restera le 6e 1520. La façade du bâtiment conservait une intéressante portée d'empire avec un lintel à points sur la corniche. Flanquant le bouclier central, ce détachement, une épée et une palme, représentant les pouvoirs politiques et religieux. De ce côté, des chiens au torchis font référence à l'ordre dominicains, Dominicans, Dominis Canis. Actuellement, et après une restauration chez du mal, il est devenu un petit hôtel avec beaucoup de charme. Maintenant, nous allons visiter l'endroit d'intérêt suivant.